Ravi de vous retrouver sur Via Angers pour cet après-match. On va bien évidemment revenir sur cette rencontre entre Angersco et le Paris Saint-Germain. Ce sont les Parisiens qui se sont imposés 2-1. On va revenir sur cette rencontre en compagnie de Denis qui nous a accompagnés tout au long de ce match. Et puis de deux invités que je salue, que je remercie de leur présence sur notre plateau. Tout d'abord Romain Bellouti, bonjour. Vous êtes responsable des transactions pour l'adresse Anjoumène. Vous êtes également, je le précise, entraîneur à Montre-Junier. Et puis j'ai par ailleurs le plaisir d'accueillir Aurélien Denéchère. Bonjour Aurélien, bienvenue à vous. Vous êtes manager de pôle Angers, l'adresse. Alors messieurs, j'allais dire d'abord peut-être pour vous Romain, puisque vous êtes un fin connaisseur du football, votre ressenti sur cette rencontre, victoire logique des Parisiens ou non pour vous? Moi je pense que c'est, il reste une victoire logique sur le fait qu'ils étaient beaucoup plus efficaces. Voilà. Après il y a eu un match en deux temps, un premier match où le SCO, ils ont bien tenu le ballon. Ils ont, je dirais, dans la transition été assez intéressant puisque dès qu'il y avait une part de ballon dans une zone dangereuse pour le PSG, Angers était un peu plus agressif. Ils étaient un peu tranquilles en sénateur un peu en première mi-temps. Ils ont eu cette chance là de marquer sur un bon mouvement et puis d'être assez efficace. Puis sur la deuxième mi-temps, c'était plutôt l'inverse. Bon, on va écouter tout de suite. On va prendre la direction des vestiaires avec Stéphane Moulin, le coach d'Angersco, au micro de Basile Bréa. Ouais. Merci Stéphane Moulin de venir à notre micro pour cet après-match. On le disait en off, c'est des genres de matchs qu'on adore jouer, qu'on aime jouer. Il y a eu des spectacles, c'était un grand match cet après-midi. Ouais, c'était un bon match. Après, on est toujours déçu quand on l'a perdu. Mais voilà, il y a du talent. Neymar, c'est un joueur de classe mondiale et à un moment donné, il a fait la différence. C'est ce qui fait toute la différence justement entre des très bons joueurs et des joueurs d'exception. Mais je trouve qu'ils n'ont pas une victoire aisée. Dommage qu'on n'ait pas marqué un peu plus tôt parce que je pense qu'ils étaient un petit peu fébriles sur cette fin de match. Mais voilà, on leur a fait peur, mais pas suffisamment pour les faire trébucher. Ça fait partie des très très bons matchs d'Angersco cette saison, malgré la défaite à l'arrivée. Il y a eu plein de belles séquences. On a senti un SCO d'Angers à l'aise, convaincant et qui n'était pas effrayé, pas du tout loin de là, par cette équipe du Paris Saint-Germain. Non, parce que je pense que les joueurs prennent confiance, de l'expérience aussi, parce que c'est à force de jouer contre des adversaires de ce calibre qu'on peut aussi se jauger, voir le travail qui nous reste à faire, mais aussi montrer les progrès qu'on a réalisés depuis le début de saison notamment. Et moi, je ne peux que me satisfaire de ça. Après, évidemment que quand on joue des équipes de ce standing-là, je l'ai déjà dit, il faut que tout soit aligné. Ce soir, je trouve qu'on n'a pas eu beaucoup de réussite. On est mené 1-0 à la mi-temps. C'est nous qui avons les trois grosses occasions. Alors, il nous refuse aussi un but sur hors-jeu. Je pense qu'il doit y être puisqu'il a été refusé. Mais si on marque à ce moment-là, ce n'est pas la même chose. Ça change la physionomie, oui. Je pense. Et je pense qu'on les aurait embêtés encore plus. Mais bon, le match dans son ensemble est bon. Il est dans la continuité de ce qu'on fait. Et ça, c'est bien. Tout le monde dit que le SCO a franchi vraiment un palier, se hisser au niveau de ces équipes-là. C'est vraiment un autre football. Enfin, déjà, le football a été très bon toute la saison. Mais là, avec les rendez-vous qui vous attendent, le rendez-vous de cet après-midi, on a senti une équipe au niveau du Paris Saint-Germain, quasiment au niveau du PSG cet après-midi, avec beaucoup d'occasions. Le SCO n'a jamais reculé, le SCO a toujours avancé. On a essayé, mais ce qui est difficile, et là où ils sont usants, c'est qu'ils ont quand même une maîtrise collective impressionnante. Et donc, parfois, on met du temps à récupérer le ballon, on y laisse des forces. On y laisse parfois un petit peu de mental aussi. Ils sont usés, les garçons. Ils sont fatigués. Ils sont fatigués et déçus. Et quand on perd, on est encore plus fatigué. Donc ce soir, ils sont bien fatigués. Mais c'est pas grave. On a, encore une fois, je trouve qu'on a montré une belle image. On n'est pas passé loin. Et j'espère qu'avec le travail, on pourra, dans un futur très proche, prendre un ou des points contre ces équipes. Mais je trouve qu'on s'en rapproche. Merci beaucoup, Stéphane. Merci à vous. Bon week-end. Merci à Stéphane Moulin, toujours très lucide dans ses analyses. Alors Aurélien, vous êtes un habitué des travées de Raymond Coppa. Effectivement, on a vu, et ce soir, j'allais dire que c'est un constat intéressant, notamment pour la prochaine saison. On a vu la progression d'Angersco sur ces mois derniers. Alors forcément, Paris l'a emporté, parce que Paris, c'est un budget de 500 millions d'euros, puis c'est une véritable armada. Mais on a vu des séquences très intéressantes de la part des Angevins. Oui, effectivement, on a trouvé une équipe d'Angers qui était très très bien organisée. Je trouve qu'ils ont respecté leur plan de jeu. Ça, c'est la première des choses face à une équipe comme le Paris Saint-Germain. Effectivement, les budgets ne sont pas les mêmes. On a des joueurs qui ont tenu leur rôle, ont tenu le ballon. Je pense notamment à Reine Adélaïde qui a encore montré de belles qualités ce soir. Et plein de promesses ce garçon. Plein de promesses. Peut-être certes face au joueur le parisien le plus faible, Paredes.
Mais ceci dit, on a un joueur, et c'est pas évident de trouver un joueur comme celui-ci, qui est capable de garder le ballon et d'orienter le jeu. On a vraiment une pépite pour le futur. J'espère qu'on pourra le garder, parce que derrière, il nous fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Une belle partie, un beau public, le stade était quasiment plein, un beau moment. Bon, Denis, s'il y a... on va se reculer là de quelques années, s'il y a 7-8 ans, on nous avait dit qu'on aurait eu le plaisir, parce que c'est un plaisir, de voir ici, à Copa, un joueur qui fait partie du top 5 mondial, on n'y aurait pas cru. Et pourtant, c'était la réalité cet après-midi, avec un garçon comme Neymar. Et il manquait Mbappé, en plus. Il manquait Mbappé. C'est vrai qu'il faut se rendre compte qu'on a quand même de la chance de voir ces joueurs-là sur ce terrain-là, notamment au SCO d'Angers. Et c'est des moments privilégiés, il faut en profiter, même s'il peut être agaçant, énervant, mais c'est des top joueurs. Donc c'est toujours un plaisir de les voir évoluer, et surtout de près et sur un terrain comme ce soir. Oui. Alors, j'ai bien aimé votre petite remarque là, en fin de retransmission. Vous avez dit, vous étiez un peu frustré parce que le public de Copa a sifflé Neymar. Bon, alors c'est vrai qu'il peut être un petit peu irritant ce garçon, mais quand même, quel joueur. Il marque et il donne le deuxième but. Voilà, c'est le talent, hein. Stéphane Moulin l'a dit, c'est le talent. Donc ouais, je trouve dommage de siffler des joueurs comme ça. Même si, encore une fois, ils ont un tempérament, un caractère différent, mais c'est aussi ce qui fait la force de ce joueur-là et la renommée de ce joueur-là au-delà de, sur le terrain et en dehors. Bon. Romain, on a vu un match très intéressant, même s'il y a la défaite. On rappelle quand même qu'on sort d'une belle victoire à Bordeaux, il ne faut pas l'oublier. Ça devient une tradition d'ailleurs d'aller gagner à Bordeaux. Et puis, il y aura deux beaux matchs hein, pour conclure. Un voyage chez les Lillois, deuxième du championnat. Puis la réception de Saint-Etienne, qui sera peut-être encore en course pour la Ligue des Champions. On se régale parce que ces matchs-là, ils arrivent dans un contexte qui est un contexte qui est intéressant pour les Angevins. Parce qu'ils sont maintenus, ils ont assuré leur maintien il y a déjà 2-3 matchs. Et ça, c'est quand même plus rassurant. Bah, tout à fait, je pense que comme l'a dit Stéphane Moulin, les joueurs ils sont libérés. Là on arrive en fin de saison, donc je pense que pour eux ça va être une notion de plaisir de pouvoir mesurer la progression qu'ils sont capables de mettre en place dans le plan de jeu. Là aujourd'hui moi ce qui me plaît c'est que quand t'aimes le foot, ils essayent de jouer. C'est plus rangé avec un bloc équipe rigoureux où on va essayer plutôt d'exploiter l'erreur de l'adversaire, ils sont plus ambitieux. Donc je pense que là ils avaient 3 matchs là, avec Paris, Lille, Saint-Etienne. Ils vont aller contre des équipes qui de toute façon sur le papier tu dois rien prendre donc il n'y a rien à perdre et je pense qu'il faut qu'ils mettent l'accent sur le jeu comme ils l'ont fait ce soir certainement là moi on était allé à la présentation du nouveau maillot comme il l'avait dit ils ont un petit challenge entre eux les joueurs apparemment donc je pense qu'ils vont avoir à cœur de pouvoir faire les choses correctement. Alors nous on essaie de les titiller pour avoir l'information il ne faut pas arriver même si on se doute bien que l'idée de terminer dans les 10 premiers du championnat parce que la 10e place est pas très loin avec le Racing Club de Strasbourg ça doit être en termes de qualité le top 10 il serait plutôt bien mérité C'est mérité hein, parce qu'on sait alors il y a quelques matchs on va pas tous les citer parce qu'il y en a eu beaucoup cette saison à Reims contre Marseille à domicile où dans le contenu c'était très intéressant, il manquait la finition. Depuis le mois de février, le mois de mars, on a passé un cap supérieur parce que la finition, elle est là, hein. C'est ce qu'on voit. Le match peut-être qui a fait changer les choses, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était le match de Marseille ici. On avait fait un très très bon match. Fin décembre. À partir de ce moment-là, on a vraiment senti un SCO qui a basculé vers une qualité de jeu qui était bien supérieure à ce qu'on avait pu connaître sur la première partie de saison. Preuve en est, c'est que je crois que sur la phase retour, on est 6e club en termes de classement sur les parties de match retour. C'est intéressant de voir un SCO comme celui-ci, ça donne envie de revenir au stade. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est bon pour le futur. Bon, qui est bon pour le futur. Alors, on va parler de classement. Ben justement, ça tombe bien. On va jeter un œil sur ce fameux classement. Avec, vous le voyez, Paris Saint-Germain qui prend 3 nouveaux points ce soir. Des Angevins qui sont toujours 12e. Alors, certes, les autres n'ont pas joué, mais je parlais de cette fameuse 10e place. Elle est pour l'instant juste à un point. Il y aura bien évidemment des matchs ce soir. Mais c'est vrai que Angesco est installé très clairement dans ce ventre mou du classement et que ça laisse de belles perspectives. Et on va retrouver un ancien Parisien qui maintenant porte les couleurs d'Angesco. Il s'agit de Wilfried Kanga au micro de Basile Bréa. Avec le Titi parisien devenu Angevin qui est rentré face à son club formateur Wilfried Kanga. Bon, Angesco n'est pas passé loin de l'exploit cet après-midi. Ouais, c'est sûr, on a fait une bonne fin de match et voilà, c'est le but, au début du match nous ont fait mal. Et quand tu es rentré, tu as senti qu'en fait cette défense parisienne n'était pas au meilleur de sa forme, au mieux de sa saison. On a senti beaucoup de failles, beaucoup de possibilités pour le SCO. Assez étonnant quand même, non? Oui, bien sûr, on pouvait les bouger. Ils étaient pas si pas si forts que ça. On aurait pu marquer un deuxième but. Et bon, c'est comme ça. Voilà, on a
on a encore deux matchs après, on va essayer de les prendre voilà, comme ils viennent. Et sur le pénalty qui est arrêté par Gianluigi Buffon et où derrière Flavien Tay met le bout du pied, on pensait que c'était toi, nous, au poste commentateur. On s'est dit, juste avant, deux minutes avant l'histoire, serait belle de voir le Titi parisien formé au PSG marqué contre son club formateur. Tu as cru à ce moment-là? Tu t'es dit, c'est pour moi, non? Après, non, comment dire, juste avant le match, même les pénaltys étaient déjà. Voilà. C'était déjà décidé, donc Flavien devait le tirer, donc je savais déjà qu'il devait le tirer. Voilà, je m'étais pas préparé à le tirer. Vous êtes déçu là dans le vestiaire, c'est beaucoup de regrets. Le coach se disait tout à l'heure, juste avant vous, à ce micro, les joueurs sont déçus parce qu'ils ont perdu, mais ils sont encore plus déçus parce qu'ils ont beaucoup couru, ils sont très fatigués. C'est vrai qu'on vous sent abattu, fatigué dans le vestiaire? Oh, on n'est pas abattu, mais bon, voilà, on est déçu du résultat. C'est un rien en fait, ça aurait pu être un exploit. Parce qu'on aurait pu marquer. C'est juste pour ça qu'on est déçu, mais on est jamais abattu. On est toujours déterminé, mais on est déçu à cause du résultat, parce qu'on aurait pu faire mieux. En tout cas, c'est de bon augure pour Lille, puis Saint-Etienne dans deux semaines de cette rissée à ce niveau-là de la compétition. Ouais, c'est de bon augure. On est prêt pour les deux derniers matchs et on va tout faire pour amener des bons points. Merci, Wilfried Kanga. Merci à toi. Merci à Wilfried Kanga. Effectivement, Denis, ils sont déçus. Bon, eh ben, c'est plutôt un très bon signe parce qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui sont en capacité de bousculer ce Paris Saint-Germain-là avec ces joueurs-là. Il y a eu des victoires à Nantes, il y a eu des victoires à Montpellier, hein, mais c'était pas à Nantes, c'était même pas l'équipe B, c'était peut-être l'équipe C. Hein. Oui, je pense que vous l'avez dit, c'est des perspectives intéressantes pour l'avenir. Parce que c'est une équipe qui était à plus de 70% changée contre Nantes et Montpellier. Et ce soir, c'était celle de contre Nice. Donc c'est une équipe qui est plus proche de la réalité, plus proche du titre de champion qu'ils ont remporté. Donc c'est d'autant plus valorisant pour l'équipe du SCO de ce soir d'avoir réalisé cette performance, même si bien sûr ils sont déçus. Mais ça montre aussi l'ambition qu'ils ont d'aller chercher des résultats et d'aller toujours progresser, d'aller chercher un meilleur classement. Donc c'est ça qui est très positif pour l'avenir. Ouais, alors on parle d'avenir, messieurs. Il y aura cette fameuse cinquième saison qui est très importante pour le club. Parce qu'on sait qu'au bout des cinq saisons, il peut y avoir une manne financière conséquente. Je crois qu'on a l'entraîneur du Paris Saint-Germain dans quelques instants à notre micro. Vous me dites, en régie, si c'est lui. Voilà, il est là, Thomas Tuchel. On va l'écouter. Waouh, pas mal. Thomas Tuchel, merci beaucoup d'être avec nous dans cet après-match. Vous êtes un coach heureux à l'issue de cette rencontre? Ah oui, parce que c'était nécessaire pour nous de retrouver notre esprit de gagner. Et c'était aussi très important pour nous de regagner et de retrouver notre confiance. Et oui, c'est pas facile pour nous dans ces moments parce que on a gagné la Ligue très tôt. Et pour ça, de retrouver notre motivation dans cette fin de saison, c'est compliqué. Oui, mais c'est notre obligation de faire ça et de jouer sérieux et de donner tous, parce que c'est un cadeau d'être un joueur professionnel et tout le monde veut changer avec nous. Et pour ça, c'est normal de donner tous et c'était nécessaire de retrouver cet esprit. Vous êtes attendu, donc une dernière question en deux mots. Qu'avez-vous pensé de cette formation angevine? Qu'avez-vous pensé du SCO d'Angers, de l'adversaire? Vous en pensez quoi? Oui, ils ont été très dangereux pendant le premier mi-temps, au début du match. C'était difficile pour nous. Ils ont exploité l'espace entre notre ligne et au milieu du terrain très très bien. Et pour ça, c'était très dangereux. Et ils ont eu des occasions pour faire des premiers buts. Mais nous sommes heureux que nous avons fait le premier but, c'était important. Et après le deuxième but, oui, ils sont toujours là, et ils ont joué avec courageux, avec beaucoup de qualité, c'était pas facile. Merci beaucoup Thomas Tuchel, merci à vous, merci. Allez, on va conclure avec ça, en remerciant Basile Bréhin et Fanny Bourdillon qui sont dans les vestiaires. Romain, en 15 secondes, c'est intéressant ce qu'on vient d'entendre parce que cette équipe d'Angesco, on sent la progression conséquente sur ces dernières années. Elle est allée titiller le Paris Saint-Germain cet après-midi. De notre équipe et on peut être fier de ce qu'ils essayent de mettre en place. Ouais. Bon, messieurs, merci de nous avoir accompagnés, merci de nous avoir fait partager votre enthousiasme. À très bientôt, Denis. Hein. Il y aura encore de beaux moments à partager en votre compagnie. Et puis merci à vous, les téléspectateurs et les téléspectatrices de Viens Angers, pour votre fidélité. On se retrouve très bientôt de nouveau pour parler de football sur notre antenne.